Pour deux raisons. D'abord, pour une raison, évidemment, vous le comprendrez, européenne, parce que je souhaite que nous soyons un très grand groupe de défenseurs des nations et d'opposition à cette Union européenne dont nous considérons qu'elle a échoué, qu'elle a failli. Mais aussi pour une raison nationale, c'est que je pense qu'il faut absolument que Emmanuel Macron soit battu dans ce qui représente des mid-term en quelque sorte, pour que le signal lui soit lancé qu'il ne peut pas continuer la deuxième partie de son mandat comme il a commencé la première.